Hey, mais vous êtes là? Bah, bien sûr, c'est toi Ah qui bah ça faisait filme. longtemps. Bref, j'étais en train de me faire un encas et j'étais en train de me demander si ça vous intéressait. Techniquement, ils peuvent pas répondre. Bon, reprenons. Tout d'abord, avant de continuer, je dois vous mettre en garde. Est-ce qu'on pourrait avoir des panneaux de mise en garde un petit peu? Ouais, ça charge. Ouh, ça va peut-être un peu trop là quand même. Faudrait savoir un peu. Ouais. Donc j'étais en train de vous parler d'une nourriture un peu spéciale, donc que je vais vous proposer, donc des insectes comestibles en provenance de chez l'île Bourbon. On a On a touché le fond. touché le Eh fond. oh! Donc là, je vais vous faire une petite présentation des plats que j'aurai bien sûr dégusté. Et je vous ferai donc un point après donc pour vous expliquer un peu les goûts, avec quoi les marier. Et voilà. Nous allons tout d'abord commencer donc cette petite présentation de plat avec des pâtes au grillon. Donc pâtes au grillon avec concombre et tomates cerises donc mélangées. Donc les pâtes peuvent se manger chaudes comme froides. Donc là j'ai préféré froide en salade sur conseil donc de Monsieur Daniel qui m'a conseillé donc cette recette. Donc on va pouvoir tester ça. Ensuite nous avons donc tout simplement des verres de farine. Sauce barbecue, hein, donc du tout simple. Hein. Donc on peut manger comme ça facilement, ou qu'on peut mettre aussi sur des toasts, ou même encore aussi ajouter à de la salade. Donc évitez de rajouter de la tomate avec, parce que sachant qu'il y a le goût barbecue, ça ferait un peu trop de surgoût, mais sinon bah, on va voir si c'est délicieux. Ensuite, pour continuer ça, nous avons donc les scorpions du Mandchourie. Donc alors là j'ai fait trois types de toast, donc toast classique sans rien du tout, toast avec un brin de tomate donc que j'ai fait cuire donc à la casserole donc en rajoutant un petit peu d'eau pour atténuer le goût de tomate, et en dernier donc comme conseillé des petits toasts avec du samouraï et donc nos fameux scorpions. Donc on va tester ça. Donc sur chacun des présentations de toast j'ai fait samouraï, tomate et classique. Donc là ensuite nous passons au grillon barbecue hein, aussi. Donc bien sûr sur toast classique, tomate et samouraï. Hein. Donc on peut aussi les ajouter en salade, hein, c'est pareil pour les scorpions, donc on peut les manger de différentes façons. Les manger aussi comme ça nature, facilement, comme pour un petit apéro, ça peut être sympa aussi. Donc pour la suite, un autre petit toast. Avec donc là les fourmis avec des fleurs comestibles. Donc à tester donc sur les petits toasts, hein, bien sûr. Les fourmis, c'est mieux de les manger, je trouve, en toast. Niveau présentation, mais aussi au niveau facilité de dégustation. C'est plus sympa. Après, en salade, j'ai peur que ce soit trop petit et que ça tombe bien sûr au fond de la salade et qu'on loupe tout. Et puis, on peut pas trop les présenter non plus à piocher comme ça, comme j'ai fait pour les verres de farine, parce que c'est vraiment petit. Donc c'est mieux de les mettre en accompagnement de toast ou de avec de donc de du fromage ou de la tomate. Et pour finir, donc un petit cadeau qui m'a été offert lors de mes achats donc sur le stand de lors de la bourse de Villers-Bretonneux. Donc c'est un petit mélange de différents insectes, hein, on peut voir donc il y a du grillon, il y a du criquet, il y a un peu de tout. Donc ça m'a été offert donc par Monsieur Daniel bien gentiment, donc je te remercie hein, pour ce petit cadeau. Donc on va goûter ça aussi, donc bien sûr ça peut s'adapter dans une salade ou bien sûr être pioché comme ça, comme je l'ai présenté là actuellement. Après si vous voulez d'autres recettes, vous pouvez aller sur le site de l'île Bourbon, donc dont l'adresse, enfin dont la page Facebook est mise en description de la vidéo. Voilà, donc nous allons passer à la dégustation, puis en même temps aux impressions qui vont avec. Nous revoici donc pour la suite de cette vidéo. Ah bah c'était rapide. Ouais, donc je disais donc, nous revoici pour le bilan des plats. Donc alors dans l'ensemble. Il les a vraiment mangés? Ouais, je l'ai vu le faire. Eh oh, reprenons. Dans l'ensemble c'est sympa, mais j'avoue qu'en apéro c'est beaucoup mieux au niveau des insectes. Donc plutôt qu'en plat principal. Après, au niveau des toasts que j'avais fait, donc la tomate, bah ça gâche un peu le goût de l'insecte, je trouve, mais ça passe beaucoup mieux avec le fromage. Après, donc je préfère que ce soit vraiment. Enfin, pour ma part, je préfère plutôt que ce soit en apéro qu'en plat principal. Donc, avec les petits toasts, ça passe nickel. Ou manger juste comme ça, hein, c'est sympa aussi. Donc, tout seul ou entre amis, hein, bien sûr.
Donc après au niveau des insectes ça se mange vraiment très bien. On peut, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Après j'ai pris que des petits insectes, hein, pas forcément des gros. Mais sinon pour un apéro c'est pas mal. Il en reste? Oui. Ah, bah apéro. Et on se calme. Hein. Alors pour la suite, donc maintenant que le bilan des plats des insectes c'est fini, on va passer sur un peu la suite de cette vidéo. Donc déjà pour revenir sur l'exposition qu'il y a eu au lycée Le Druet, donc à Bucquoy. Donc bah expo vraiment petite mais vraiment sympa. Parce que c'est vraiment de l'exposition pure, pas de vente spécialement, c'est pas le but prévu, c'est plus de la pédagogie. Donc c'est pour une porte ouverte j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu dans le style de ce que je recherche. En plus ça me permet de faire des connaissances aussi au passage. Et puis de connaître quelques bons plans aussi. Donc vraiment vraiment sympa là-dessus. En plus, petite anecdote, donc j'arrive là-bas, donc j'ai oublié les clés des mallettes. Donc heureusement que Lilian d'Eden Reptile était là pour me filer un coup de main à ce niveau-là. Parce que ça a permis de. Bah, on a percé carrément les mallettes pour pouvoir les ouvrir. Donc Lilian, merci pour ce coup-là. Hein. Ensuite, bah, revenons sur l'état de santé de la petite Moremi sinensis qu'on peut voir un petit peu là actuellement dans l'eau. Qui se balade un petit peu. Alors, depuis son arrivée, elle a pris officiellement 10 grammes. Et elle a pris 1 centimètre. Donc, ça part vraiment très très bien. Bon, là, elle se balade, elle est vive. Elle mange quand même. Je lui donne à manger quand même tous les jours pour rattraper un peu son retard. Mais sinon, tout est positif. Donc, pourvu que ça continue à évoluer là-dessus. Après, pour notre actu à venir. Bah déjà la bourse de Grugy qui était prévue le 22 mai est annulée, mais en remplacement j'ai fait une demande pour Laval. Donc espérons que ce soit accepté. Sinon vous pourrez me retrouver donc à Liévin fin mai, donc le dernier week-end de mai. Après Magny-Cours, premier week-end de juin. Donc bien sûr Arras et Béthune, hein, les deux grandes expos. À Gargenville aussi au mois d'octobre, fin octobre. Donc c'est une toute nouvelle, donc espérons qu'il y ait du monde. Et j'ai prévu un petit road trip pour celle de Bordeaux. Parce que je partirai pour me rendre sur place le 14. La bourse aura lieu le 15 et le 16. Et je resterai quand même sur place le 17 et 18 pour faire quelques petites visites qui seront donc, pour d'éventuelles vidéos. Avant de finir cette vidéo, je voulais quand même parler aussi de quelque chose que j'ai donc découvert, enfin redécouvert, on va dire, à l'expo du lycée Le Druet. C'est un établissement d'hébergement pour tortues aquatiques délaissées qui est en train de se créer donc au Marais de Guines, donc dans le nord de la France. Donc c'est créé conjointement donc par Carapation et puis donc en même temps l'établissement d'hébergement et tortues aquatiques délaissées. Donc c'est en fait en train de se créer, donc c'est pas encore officiellement ouvert, donc c'est fait pour recueillir donc les tortues. Abandonnés, notamment les trachémis principalement. Donc ces tortues qui arrivent là-bas, qui seront marquées et qui seront remises à l'adoption par la suite. Ils récupèrent aussi d'autres tortues, bah, comme des pélos ou des morémis aussi. Hein. Mais celles-là, ils peuvent pas les accueillir en bassin extérieur, donc c'est vraiment du très court terme. Et après, ils les replacent. Donc c'est en train de se créer. Donc à chaque fois que vous faites des achats au niveau des stands de carapation, bah, ça ils reversent une partie directement aux établissements d'hébergement pour tortues aquatiques délaissées, donc ça leur permet de se financer. Si vous avez du matériel qui ne vous sert plus et que vous voulez en faire don, bah, passez-leur, hein, ça peut quand même les aider, parce qu'ils ont besoin quand même de financement. Donc c'est vraiment une bonne initiative. Donc plus tard, en parlant donc, avec ceux qui gèrent un peu le dossier, plus tard, dès que tout sera fini, j'irai tourner une vidéo directement là-bas. Donc avec la GoPro, une vidéo sous l'eau, peut-être une interview si j'arrive à avoir les micros à temps. Enfin bon, il y a quelque chose de prévu là-dessus aussi, afin de vous faire découvrir un peu ce petit coin. Donc n'hésitez pas à demander plus d'informations là-dessus. J'ai quelques brochures que je peux scanner éventuellement et envoyer par mail. Donc voilà. Donc c'est vraiment une très bonne initiative. Donc autant la soutenir. Parce que des bonnes initiatives envers les tortues, c'est pas, je vais pas dire que c'est rare, il y en a quand même, mais ça mérite quand même d'être soutenu. Voilà. Donc sinon pour revenir au sujet principal de la vidéo, donc les insectes, hein, bah, vous pouvez toujours les en acheter chez L'Île Bourbon, donc via la page Facebook notamment avec des frais de port en plus, ou lors des bourses reptiles tout simplement où ils se déplacent. Hein. Il n'y a pas de souci, donc c'est vraiment très bon, hein, c'est pas le côté à Burk, machin. Non, non, c'est une aventure à tenter
et puis il faut être dans de bonnes conditions pour la tenter. Mais au final, ça vaut le coup. Puis bon, ça peut faire un petit apéro un peu spécial, ça peut être vraiment sympa, notamment pour Halloween. Non, enfin, c'est vraiment un bon truc. C'est lancé depuis quelques années, mais c'est pas encore assez bien répandu, parce que bon, pour changer les mœurs, il faut un peu de temps. Mais sinon, c'est pas mal. Donc, bah, laissez-vous tenter et puis profitez-en. Donc, bah, sur l'île Bourbon, je vous mets donc en description de la vidéo, je vous mettrai le lien directement de sa page Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Donc bah, c'est fini pour cette vidéo. Puis bah, merci de nous avoir suivis. À bientôt!